Bien, nous sommes le samedi 1er septembre, on se prépare à se diriger vers Saint-Inimi. Et voilà, nous quittons le gîte de Champerboux, où nous avons passé une agréable soirée, avec des bons compagnons et des bonnes compagnes. Et je vous montre un petit peu l'environnement. Oh là là, il y a les affaires qui reprennent par là. Alarme. Ça c'est le camping-car à Yves, notre transporteur, qui s'est mis en alarme. Voilà, bon, on va y aller. Le petit village de Champerboux. Chanil qui prend des photos. Voilà les maisons Cossonardes. Ce qui est assez curieux, quand vous pensez les grandes constructions mégalithiques, comme les cairns qu'on trouve comme celui de Barnet. Ah oui, tout à fait. Tout à fait, oui. Il y en a oui, d'autres, hein, il y en a d'autres. Oui, tout et à c'en fait. C'en est une. Ça fait un peu comme sur le Saint-Jacques, hein, tu trouves des coins un peu partout. Hein. Alors, nous avons aussi un paysage cossonard entre Champerboux et Saint-Inimi. Beau soleil, mais vent du nord, avec une température entre 8 ce matin et 18 cet après-midi. Donc, on n'attrapera pas des coups de soleil. Jean-Claude embrasse son menhir. Et puis t'as Jean-Luc qui fait pareil, mais il... De plaisanterie, mais vous voyez que dans les Causses, on trouve des dolmens, des menhirs. Le menhir parle. Voilà. Ah, oh, on va voir ça, c'est d'ici. J'entends le battement de son cœur de Saint-Inimi. Là, on ne le voit pas, mais le Tarn est juste dans le creux. Ici, nous sommes sur le site d'une ferme restaurée, une ferme cossonarde, qui était restaurée par le conseil régional. Bien nettoyé tout, elle est belle. Ça les vieilles pierres parmi l'autre veine, puis vieille pierre. Alors on aperçoit la propriétaire qui descend avec le proprio. Madame la propriétaire, monsieur le propriétaire. Les futurs propriétaires. Attends, on ne voit pas de pluie. Bah, là. Voilà, ben on descend vers les gorges du Tarn, après avoir visité une ferme cossonarde qui se trouve juste au-dessus, au Boissé. Voilà. Une ferme cossonarde, hein, pas cossarde. Non, cossonarde, oui. Et puis on va rejoindre Saint-Inimi qui se trouve un peu plus loin, sur les bords du Tarn. Vérifiez le vissage de vos bateaux. Vérifiez bien la dragonne. Voilà. Et là donc on voit les gorges du Tarn et notre gîte, le gîte EPMM qui doit se trouver juste ici en dessous. Voilà, c'est là où on va coucher ce soir. Bon, ça descend bien, faut être prudent. On a descendu quelques mètres déjà là, un peu dans la roche, c'était pas toujours évident, mais enfin ça s'est bien passé. On devine le village de Saint-Inimi où on va descendre, et puis on reviendra vers notre gîte en remontant la rive gauche du Tarn. Et demain on repartira dans le sens pour retrouver notre sentier qui repart sur la gauche. Devait pratiquer au siècle dernier, et puis même peut-être
petit village de Saint-Enimy, avec le pont qui traverse le Tarn. Et les falaises au sud qui suivent la gorge du Tarn. Voilà, nous arrivons à Saint-Enimy. Et ça va être l'heure de se restaurer. L'ancien monastère de Saint-Enimy. Et les vieilles maisons. Il y a surtout les habitants troglodytes, là, vraiment en hauteur. Hein. Ah oui, oui. Ouais. Voilà. Les superbes voies de l'Ouse. Alors, il semblerait qu'on soit sur les ruines du Moutier, en partie restaurée. Chapelle de Sainte-Madeleine. À Saint-Enimy. Une rue dans Saint-Enimy. Ici, nous avons une belle demeure avec des fenêtres à meneaux. La descente Dis donc, ouais, oh. Celle-là d'emblée, la traite de conne. Non. Mais non, je non. Vous aime. Non, j'ai pas dit ça. Voilà la source de Burle, où s'est baigné Saint-Enimy pour guérir de la lèpre. C'est pour ça que chez les femmes, il y avait la cave au moine. Ah, ben voilà, mais ça c'est clair. Alors laquelle qui plonge la première ? La source, c'est la Burle. Nous sommes toujours à Saint-Enimy et là en face nous avons l'église de Notre-Dame du Gour. Bon, nous allons aller la visiter. Il semblerait que